Il ouais, y a une complicité kbira entre les joueurs. On a compris que ça y est, il y a la relation qui s'est installée entre les joueurs, qu'on avait perdu on avait perdu depuis le départ d'Ali Lozic. Et Anik Mchet a dit que la confiance qu'il y avait entre les joueurs, avec l'esprit très collectif, cette complicité, il y avait plein de trucs. Barah, on l'a retrouvé sur le terrain. Sincèrement, depuis le. Généralement. Le match amical qu'on a joué contre le Burundi, malgré le nul, on a senti que notre équipe nationale veut faire quelque chose de la Canadie. On a essayé de développer beaucoup de choses à la fois, parce que c'était quand même un chantier. Après le départ, le dernier entraîneur qui était en place de l'équipe nationale, l'équipe, on l'a senti un peu déchirée. Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, alhamdoulilah, on revient toujours, je reviens toujours aux arguments, il y a la maturité. Quand on voit qu'une moyenne de 28 ans, l'équipe, ça veut dire qu'il y a une kbar. Il y a Mboulhi, Gdioura, il y a aussi Lich. Quand tu vois des joueurs âgés et qui sont dans l'équipe nationale, qui sont très sérieux, il y a même Mahrez, il a 28 ans, il a 30 ans, c'est des 89 pratiquement. Oui, effectivement. Ça veut dire dans cet ensemble, il y a quand même une force qui se dégage, que ce soit psychologique, sur le plan sociométrie du groupe, Kain le Hamas, Kain le Mahiba Binatoum, c'est Mleha. Même Hana Chab, qui m'a dit dans le sens de Khawa Khawa, s'est développé, même l'équipe nationale. C'est un bon signe.